So I just got the phone number of a hairdresser and that I want to contact to see if I can get a haircut. So I'm gonna give them a call and let's see if I can get a hair appointment. Donc je viens d'avoir la carte de visite d'un coiffeur qui a l'air très très bien, recommandation d'une amie. Donc je veux voir si je peux prendre rendez-vous pour une coupe de cheveux. Oui, allô, ce serait pour prendre rendez-vous avec Mika. Ah, d'accord, c'est vous, d'accord. Oui, oui, ce serait pour prendre rendez-vous pour une coupe de cheveux. Oui. Non, enfin, peut-être à peu près 2-3 cm. D'accord. Dégradé, non, pas forcément dégradé, je pense, juste tout droit. Vous verrez, d'accord, vous verrez une fois sur place. D'accord, ben déjà on prend rendez-vous et puis on verra. Ça marche. Alors je regarde un peu, vous me proposez quoi en fait? Alors, samedi matin. Oui, ça dépend à quelle heure, mais... oui, samedi matin. À partir de 11h. Oui, ça va durer combien de temps vous pensez? Une bonne heure? Bon. Oui, on peut faire ça. Oui, je veux bien un petit brushing aussi. Donc le shampoing, la coupe, le brushing. Non, j'ai pas besoin de soins. D'accord. Vous m'avez dit 28€. Ok, ça marche. Donc samedi, oui, à 11h. Ok. Oui, oui, j'ai l'adresse. J'ai l'adresse, je l'ai là. D'accord. Merci. Ok, à samedi. Au revoir. And that, my friends, is how it's done. Et voilà comment on prend rendez-vous chez le coiffeur. So I made my appointment for my hair, to get my hair done by a French hairdresser. And she is going to teach us some vocabulary that you want to know if you're learning French, different hairdressing vocabulary terms. Donc, j'ai pris rendez-vous pour mes cheveux. J'ai pris rendez-vous avec une coiffeuse française, justement, et elle va vous expliquer en français des noms de produits différents pour justement les apprendre. So, conversations in French, but you're gonna learn some very useful vocabulary words. Donc, conversation en français, mais vous allez apprendre du vocabulaire qui sera très utile pour vous. Bonjour Fanny. Bonjour. Alors, explique un petit peu ce que tu fais. Alors aujourd'hui, on va faire ta couleur, tes racines. Donc c'est un produit de coloration d'une marque allemande. Au niveau des mélanges, voilà, j'utilise forcément une balance parce que c'est quelque chose de très précis, c'est comme un peu la pâtisserie. Donc on doit peser. C'est le tube de la couleur en fait, c'est ça? C'est ça, exactement. Le tube de couleur. Ouais. Et puis après, on va ajouter l'oxydant, qui va permettre en fait d'activer le produit pour pouvoir ouvrir les écailles de cheveux. D'accord. Et qui va permettre à la crème de colorer en. De colorer le pigment, la mélanine du cheveu. Donc là, en fait, on va mettre. Là, j'ai mis une dose, j'ai mis 24 grammes. Ouais. Et du coup, je remets le vide. Hop, 58, tac. Et puis après, on va mélanger tout ça. Donc là, j'ai mis mes gants parce que c'est un produit qui colore. Les pigments des cheveux, donc du coup qui pigmentent les pigments de la peau. Mmh. Donc forcément, si j'en mets pas, je vais avoir des petites taches. Bon là en l'occurrence c'est du clair. Mmh.
Mais quand c'est du foncé, vraiment, ça tache beaucoup la peau et les ongles parce que forcément, on a de la mélanine dans la peau. Ah oui. Et du coup, tu mélanges tout avec un pinceau. Voilà, c'est ça. Je mélange tout pour faire vraiment là, pour vraiment que ça soit bien mélangé, avoir une texture assez lisse, assez crémeuse. Homogène comme en cuisine. Exactement. Je fais ma petite mayo là. Petite crème comme ça. C'est parfait. Alors là, on va passer à la coupe. J'utilise un peigne et un ciseau droit pour pouvoir bien lui couper les cheveux.